C'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent. Je ne sais plus quel jour nous sommes, parce que je suis perdue. Je fais toutes les vidéos les unes après les autres, alors je ne sais pas. Mais bref, un jour, nous sommes quelques jours avant Noël. Et je vais répondre à la question, ou aux questions plutôt, de Magali, qui m'a envoyé ce mail d'Ajaccio. Donc ça veut dire que chez toi, il doit faire beau. Enfin, pas forcément d'ailleurs, mais... J'imagine toujours qu'en Corse, il fait beau toute l'année. Mais chez nous, il neige aujourd'hui, mais bon, bref. Alors, tu m'as dit, j'ai vu un reportage à la télévision sur des médiums qui travaillent sur des enquêtes criminelles ou avec des détectives. Qu'en pensez-vous? Bah, moi, je pense que c'est une bonne idée de travailler avec des services de police, de gendarmerie sur des cas de disparition inquiétante, par exemple. Détective, un peu moins bien. Détective, ça dépend de l'enquête, tu vois. Il y a des choses qui me plairaient pas, mais bon. Je pense que c'est quelque chose qui est bien. C'est une démarche qui est sincère, saine, etc. Et que ça peut vraiment aider, donc tant mieux. Maintenant, ça dépend, voilà. Bah ouais. Moi, je me dis toujours, par exemple, travailler avec un détective. Quel est l'objectif? Il enquête sur quoi? Quel est le contexte? Tu vois? À voir, il faut presque faire du cas par cas là, tu vois. Ensuite, tu me demandais si je faisais ce genre de choses. La réponse est oui. Oui, je fais ça de temps en temps pour trouver, si possible, des gens vivants. C'est mieux. Mais parfois, c'est pas pour trouver des gens qui sont vivants. C'est pour trouver, voilà quoi, tu vois. Donc, je suis appelée souvent sur des cas de disparition inquiétante. Donc là, c'est essayer de voir où est la personne, la localiser, est-ce qu'elle est en mouvement, est-ce qu'il y a quelque chose, etc. Et puis, parfois, c'est de travailler sur, malheureusement, quand il y a un décès, quand il y a une mort suspecte, etc. Bon, ça m'est arrivé, voilà. Mais ce qui est très important dans ce genre de situation et dans ce genre de démarche, déjà, c'est de rester à sa place parce qu'on est médium, on n'est pas enquêteur. D'accord? Donc, je ne m'appelle pas, je ne sais plus comment elle s'appelle là. Bah, d'ailleurs, voilà, je ne me souviens pas de son nom. Si, mais vous savez comment c'est. Attends, c'est terrible cette mémoire. Dans la série Médium, vous savez, il y a... Hop là, tiens, encore un truc qui passe. Donc, dans la série, à la télé, la série Médium, on la voit, c'est elle qui choisit les jurés, c'est elle qui fait quasiment toute l'enquête, hein, c'est super. Mais dans la vraie vie, non, ça se passe pas comme ça. Bon, après, peut-être qu'aux États-Unis, ça se passe comme ça, mais pas en France. Donc, il faut rester vraiment à sa place, hein. Et puis, moi, j'ai pas envie d'aller sur le terrain, par exemple. J'ai pas trop envie d'aller voir, tu vois. J'ai déjà plein de flashs qui vont m'arriver par clairvoyance juste en voyant une photo, tu vois. Donc, j'ai pas du tout envie de me retrouver confrontée à ça, tu vois. Non, c'est pas mon truc. Et très important aussi, deuxième chose vraiment très importante, c'est qu'on ne travaille jamais pour les familles. Je refuse. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour ça, pour tout ce qui était disparition, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est où, enfin bref, je fais pas ça. Déjà parce qu'il y a des personnes qui disparaissent et qui sont, enfin c'est de leur droit en fait, hein. Quelqu'un a le droit de partir de chez lui un matin et de plus donner de nouvelles, il a le droit. Donc tu peux pas intervenir dans la vie de quelqu'un qui a disparu volontairement et qui ne veut absolument plus de nouvelles, tu peux pas le forcer quoi déjà. Quand il y a une affaire criminelle, tu peux pas sonner à la porte des gens « Bonjour, je suis médium dans les Côtes d'Armor. » Et je me suis dit « Je sais qui est le tueur. »
Alors, c'est la meilleure façon de foutre la merde, complètement dans l'enquête. Donc, non, on ne fait pas ça non plus. On ne va pas donner des éléments comme ça à la famille parce qu'on pourrait influencer leur psychisme ou carrément les induire en erreur ou carrément faire perdre un temps fou dans une enquête. Donc, ça non plus, on ne fait pas. Et puis, on travaille en sous-marin, c'est-à-dire que c'est bénévole, c'est pas... on ne sait pas, tu vois, on ne sait pas comment ils ont eu, comment les enquêteurs ont recueilli des informations, etc. Ben, on ne sait pas. Voilà. Et quand on retrouve un corps, dans 90% des cas, c'est toujours un promeneur, un dimanche matin, était en train de promener son chien lorsque tout à coup, il est tombé sur la dépouille d'un homme, machin, etc. C'est toujours un chien. C'est jamais la gendarmerie de tel endroit a fait appel à tel médium pour retrouver un corps. Ben non. Ben non, on peut pas le dire ça. Donc c'est le chien. Tu vois? Donc ça aussi, il faut accepter que bah, tu vas pas faire briller ton ego parce que tu travailles de temps à autre sur des recherches comme ça. Pas du tout. Tu fais ça pour du. C'est bénévole en plus, quoi. Donc, tu le fais parce que tu as envie de le faire, parce que tu acceptes aussi de le faire. Et puis, tu expliques bien aussi aux enquêteurs que tu peux te tromper. Il y a des fois, tu te trompes. Ça arrive. Des fois, tu te trompes total. Hein, je vais te donner un exemple juste après. Et des fois. T'es dans le mille, mais t'es tellement dans le mille que quasiment t'es à 1m50 du corps, tu vois. C'est troublant, c'est bluffant. Mais me planter, oui, ça m'est arrivé. Alors, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Alors, parce qu'il ne faut pas que je te donne trop de détails non plus, parce que bon, on n'est pas là pour balancer. Mais bon, on va partir du principe où personne ne regarde, ok. Donc... il y a 3 ans, il me semble que c'est il y a 3 ans, donc ça devait être en 2018 ou en 2019, j'avais été appelée pour une disparition inquiétante. Je fais mon petit truc, donc c'est-à-dire que je sors des cartes en fait, hein. Par exemple, on me dit, bah voilà, cette personne, elle a été vue la dernière fois dans tel quartier à Rennes. Ok, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le plan de Rennes avec le quartier et après je vais faire une recherche sur plan pour voir s'il est toujours là ou s'il a bougé. Et puis après, bah, si c'est quelqu'un qui est décédé, malheureusement, il ne bouge pas, en théorie, sauf s'il est dans une voiture. Là, il va bouger. Mais s'il ne bouge plus, bah, ton pendule va le localiser. Et puis après, tu vas localiser sur la carte. Tu vas prendre une carte qui est plus précise, puis plus précise, puis plus précise. Et là, tu peux réussir à trouver quelqu'un, sans déconner, à 1 mètre, 1 mètre 50, tu peux le trouver. C'est terrible, hein ? Je sais. Mais par contre, il y a 3 ans, j'ai une gendarmerie qui m'appelle et qui me dit, voilà, il y a une disparition inquiétante, on cherche un monsieur, et est-ce que vous pouvez nous aider ? Bah oui, carrément, en plus, il y a 3 ans, c'était des petites choses en fait, c'était des petits défis quelque part, parce que c'est sympa aussi de se dire, purée, je suis capable de le faire, quoi, c'est génial. Enfin, c'est génial, il est peut-être mort en théorie, mais... On peut le retrouver, c'est ça qu'il faut garder le point positif, tu vois. J'ai les photos du monsieur, j'ai une photo du monsieur, pardon, et puis j'ai le lieu où il a été vu la dernière fois. Je fais mes petites recherches, etc., etc. J'envoie un mail, en fait, en disant, ben voilà, telles informations, voilà ce que j'ai en flash, en vision, par le biais de la radiesthésie, voilà à peu près ce que j'ai. J'ai aucune réponse. Voilà, bon, ben ça c'est fait. Alors, très souvent, c'est le comportement des gendarmes est un peu particulier. C'est-à-dire que vous leur donnez tout ce que vous avez et après, vous n'avez plus de nouvelles. Et comme c'est des gendarmeries qui sont un peu partout, forcément, vous ne suivez pas non plus BFM toute la journée. Enfin, moi, je ne regarde jamais la télé, donc du coup, je donne des infos et puis après, j'ai plus de nouvelles. Plus rien. Même pas une boîte de chocolat à Noël. Rien du tout. Donc voilà, donc j'ai envoyé mes petites infos, j'ai même pas eu un merci en retour, bon c'est pas grave, bon, j'attendais pas non plus, mais bon, un petit mot sympa m'aurait fait plaisir, mais bon, pas grave. Bref, plus de nouvelles, donc je me dis, voilà, je passe à autre chose, hein, je fais ma vie, et figurez-vous que ces trucs de dingue, c'est que, truc incroyable, c'est que cette histoire-là, en fait, elle est restée en suspens pendant 3 ans, ou peut-être même qu'elle a été classée sans suite, ou peut-être que, voilà.
Mais la famille a réussi à faire réouvrir l'enquête 3 ans plus tard, donc en octobre 2022. Oui, c'est ça. Nouveau gendarme, parce que le gendarme, entre-temps, il est parti, il a changé de gendarmerie, il a refait sa vie, enfin bref, on ne sait pas, mais c'est plus le même gendarme. Donc, nouveau gendarme qui reprend l'affaire, et là, il reprend certainement le bloc-notes. Clac. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait à l'époque? Ah, bah tiens, on avait appelé une médium. Oh, c'est rigolo ça, tiens, je vais l'appeler. Et du coup, il me rappelle, il me resitue un peu enfin, il m'appelle, il me resitue un petit peu les faits. Bah, moi, j'ai dormi depuis, donc c'est compliqué. Je me souviens pas, mais il me dit ce qui est troublant, c'est que en 2019, lorsque vous avez eu vos flashs, etc., vous avez noté qu'il y avait une maison qui était importante du coup dans l'enquête, hein, bien sûr, qui était avec un crépi de couleur, un ravalement, si vous voulez, extérieur de couleur bordeaux, ce qui est quand même pas commun. C'est pas commun. Et en fait, je pense qu'à l'époque, en 2019, personne n'a cru ce que j'ai dit, puisque c'était une maison neuve et qu'il n'y avait pas de ravalement de fait. C'est-à-dire que la maison était, c'était couleur ciment, quoi. Enfin, je sais pas, il n'y avait pas de ravalement. Donc, quand ils ont lu mes notes et qu'ils ont vu une maison avec un ravalement de couleur bordeaux, ils se sont dit non mais. Elle est complètement fly celle-là, laisse tomber. Suivant. Voilà. Sauf que la petite blague, c'est que cette information-là, enfin c'est pas une blague, mais cette information précise n'a jamais été révélée à personne. Ils en ont jamais parlé. Je pense qu'ils ont pris mes notes, ils ont dû caler un meuble avec en se disant non, laisse tomber. Sauf que 3 ans plus tard, la maison, le ravalement a été fait, il est bordeaux. C'est-à-dire que la vision que j'ai eue en 2019, c'était une vision qui collait, c'était une vision future en fait, c'était pas la vision actuelle. Et sans savoir, eh ben, cette maison qui était déterminante dans l'enquête, effectivement, elle a été vendue, il y a eu des nouveaux propriétaires qui sont arrivés, et ils ont fait quoi? Ils ont fait un ravalement, Bordeaux. Et là tu vois, je suis fière de moi, je me dis attends. Tu vois, ça leur a pas parlé il y a 3 ans, forcément, puisque la vision que j'ai eue, c'est la vision future. Et autre chose aussi qui était intéressant, c'est que je parlais de découvrir, en fait, parce que ce monsieur, il est décédé, en fait, hein, et je disais, enfin, dans les notes, hein, toujours, je disais, voilà, découverte, etc. Et à un moment donné, je parlais des feuilles mortes. Et en fait, effectivement, il a été retrouvé dans un sous-bois. Et les feuilles mortes, les feuilles mortes, oui, parce qu'on est en automne. Et que là, forcément, il y a des feuilles mortes à l'endroit précis où j'avais décrit qu'on retrouverait le corps. Donc en fait, la vision que j'ai eue en 2019, c'était une vision de ce qui allait se passer en novembre 2022. C'est fou, hein? Donc ça veut dire aussi, tu vois, que peut-être que les personnes qui ont travaillé sur cette enquête ont eu des informations et ils se sont dit non, mais. Est complètement folle cette femme, mais n'empêche que j'avais raison, donc je suis un petit peu fière de moi. Ça, c'est mon petit moment là. Enfin, c'est le moment où mon ego fait la roue à l'intérieur. Ouais, enfin bon, c'est pas non plus faut se détendre. C'est grave aussi parce que voilà, il y a un monsieur qui est mort quand même. Mais bon, pour le truc, voilà, je te raconte quand même, je suis obligée. Donc effectivement, il y a beaucoup de médiums qui travaillent en sous-marin, comme on dit, avec les forces de police, de gendarmerie, etc. Et puis si ça peut aider, si ça peut compléter aussi un travail d'enquête et d'investigation, pourquoi pas? Maintenant, on n'est pas des petits enquêteurs, on ne va pas sur le terrain, on ne rentre pas en contact avec les familles pour embrouiller l'esprit de tout le monde, pas du tout, il faut encore une fois rester à sa place. Voilà Magali, j'espère que j'aurai répondu à ta question et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Salut!